me regarde. Dieu vous garde. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, hein? Je me demande. Je vous demande pardon. Il paraît que notre commandant aussi considère le capitaine Wood Rogers comme un ami. L'homme qui a sauvé Selka, ce capitaine Rogers? Oui, un marin comme lui en a peu. C'est un dur. Il a gagné une grande balafre sur la joue gauche. Une balle de mousquet. Elle est restée plusieurs jours dans son palais. Bon Dieu, il a survécu! Ouais, il a continué à donner ses ordres comme si de rien n'était. Jusqu'au lendemain matin, quand il a été blessé au talon. Là, il a dû quitter le pont une journée. Et tu es sûr qu'il est toujours en vie? Oui, il a beaucoup de qualités et une prestance incroyable. J'aurais bien aimé servir sous ses ordres. Ah, ça, je veux bien te croire. Passe-moi la bouteille, tu veux?
Paladin, comporte-toi en dame et ouvre cette porte sur le champ. Ce n'est qu'un malentendu. Tu m'entends? Tu réagis stupidement à des calomnies honteuses, des mensonges, des ragots malveillants contre moi. En réalité, cette femme n'est que ma secrétaire. Rien de plus. Tout ça, obéis ou je fais défoncer cette porte par les soldats. Non, monsieur. Je ne vends que des herbes médicinales qui ont fait leur preuve. Ramassées dans la dinde. Oui. Et sans l'autorisation du gouverneur. Regardez bien son visage. C'est celui d'un homme qui se moque de la loi. Que ceci serve de leçon à tous. Pas de libre entreprise ici, sans l'autorisation expresse du gouverneur. Oh, I'm not here. You never saw me. Say hello!